Non, parce que moi, le film montre finalement tout le contraire. C'est pour ça qu'il y a une mise à nu dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'était aussi une réponse à un certain... Enfin, pas une réponse, c'était, j'ai jamais écrit le film dans cette optique-là, mais c'est vrai que je crois que finalement, être un homme aujourd'hui, c'est plutôt assumer sa part de féminité que de vouloir être une espèce de bête au pouvoir de tuer. Je pense qu'on a passé ce cap et j'avais envie de montrer la faille d'un homme de 50 ans, de 45, qui n'a pas réussi à aller au bout de ses rêves ou qui est en échec familial, etc. Et d'avoir aux antithèses de ce qu'on peut imaginer des conversations entre hommes, d'avoir des conversations plus sensibles, plus peut-être féminines, effectivement. Et j'avais envie de déviriliser ces hommes, donc en leur faisant faire une catégorie sportive qui soit féminine et moquable. On peut se moquer d'eux, ce qui les rend encore plus soudés. Et je voulais, à contrario, des personnages féminins un peu masculinisés. Je voulais contrebalancer tout ça. J'ai le sentiment qu'on vit un peu dans cette époque-là. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Oui, les hommes ont le droit d'être fragiles, en fait. C'est je crois que les hommes, ce que vous avez montré. Mais je crois que les hommes ont toujours été fragiles. Après, c'est... Mais maintenant, ils osent... C'est la représentation qu'on nous en fait qui ne l'est pas, ou enfin, qui tente de ne pas l'être. Mais même si vous regardez finalement les films, c'était pas du tout la même traduction. Moi, je vois la génération de mon père, à 35 ans, ils étaient chauves, ils fumaient des gitanes, ils allaient rouler dans des CX, ils avaient des problèmes d'URSSAF. Nous, à 50 ans, on est encore en train de faire du skate, du surf et d'écouter du rap. Vous voyez, il y a quand même un énorme décalage. Mais il n'empêche que dans les films de Sautet, on avait quand même, malgré tout, des hommes aussi fragiles et féminins. C'était pas la même forme, finalement. Aujourd'hui, on enlève un peu la carapace sociale de l'homme viril, mais c'est le même fond, finalement. Mais pour un film comme ça, est-ce qu'on part en se disant on va faire rire, ou est-ce qu'on essaie de se dire ben non, la comédie viendra si elle vient, mais je pars d'autre chose, donc de ce que vous dites, et ensuite on voit si éventuellement c'est sujet à la comédie. C'est exactement comme ça que je suis parti. J'avais commencé à écrire avec un auteur avec qui j'ai été en désaccord assez vite, parce qu'il voulait absolument faire de la comédie. Des gags. Donc il voulait, comme la plupart des comédies actuelles, c'est-à-dire au bout de 3 minutes, on a déjà 4 vannes, 2 types qui se sont pété la tronche. Je n'avais absolument pas envie de rentrer là-dedans. Je savais que je voulais faire un film porteur d'espoir, ma nature étant dans l'écriture, d'aller plutôt vers la comédie naturellement, je n'avais pas non plus envie de forcer le trait, j'avais envie d'avoir des personnages honnêtes, des personnages probables. C'est vrai. Vrai, ouais. Et donc j'ai assumé une certaine première partie qui n'est pas dans la comédie, dans le registre de la comédie, mais qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais vraiment me pencher sur le quotidien de ces personnages en étant le plus honnête possible. Et puis ensuite, quand vient l'annonce du championnat et qu'ils sont en groupe de fête, de plus en plus, excusez-moi, parce que le groupe évoque et convoque une certaine euphorie et donc la comédie.